Bon, allez, nous voilà repartis pour cette quatrième partie, manifestement, de l'épreuve Hipporoi. On va bien voir... Ah, voilà, le fameux simularbre. Elle, je pense pas qu'elle va nous... Ah, Flora. Ça fera jamais que le troisième perso qui s'appelle comme ça. Et oui, je crois qu'il réagit à l'eau, à mon avis, il n'aime pas ça. Donc avec le carapuce à eau, maintenant... Ah oui, mais c'est vrai, on l'avait oublié de le ramasser. Quel con. Il faut aller à Doublonville, faut qu'on y retourne à pied malheureusement, pour maintenant qu'on a battu la championne, il faut que la fleuriste nous donne l'arrosoir, qu'on puisse passer. C'est normal, c'est un Pokémon roche, hein, c'est pour ça que dans l'animé, ils hésitent, ils savent pas si c'est un Pokémon plante ou un Pokémon roche, etc. Il y a deux scientifiques qui se disputent par rapport à ça. Et oui, voilà, c'est là qu'il faut revenir. Et voilà, un carapuce à eau, ça nous sera utile que pour ce moment. Oh, fait chier ce truc là. Ça nous sera utile que pour arroser le simularbre et pour qu'il puisse partir. Mais normalement je crois qu'il va nous attaquer. Hein. Ça nous laisse une chance de le capturer, tout ça. Et oui, vous voyez, c'est tout un bordel. Faut pas qu'on oublie de le faire par contre. Et elle, je pense qu'elle va nous remercier. Si on le fait fuir, parce que là, vous voyez, voilà, nickel. Parce qu'il emmerde tout le monde, etc. Donc là, vous n'êtes pas à l'abri d'entendre des... Vous savez, le bruit de Windows, là, quand on... Voilà, comme là, peut-être. Non? Là, je crois qu'on vient juste de l'entendre. Je sais pas si on va l'entendre au... Voilà, pour te remercier, un joli cadeau, un plan de baie. Ah ben non, ça nous sera utile pour ça aussi, et oui. Parce que ça, on pouvait pas le faire dans le jeu original. Donc cette carapuce à eau n'était utile que à ce moment-là. Mais là, on peut planter depuis Ruby et Saphir. On peut planter des baies et les arroser avec ça, hein, bien sûr. Ah, mais attends, là, ça nous fait un raccourci vers celui qui pionce tout le temps, là. Voir. On est où, là? On est à Mauville. Violet City, normalement. En VO. Voilà, si je peux retourner à Bourgeon. Parce que c'est vraiment à Bourgeon. Ben ouais, voilà, on y est, là. C'est lui, là, qui pionce tout le temps, non? Voilà, un truc qui ressemblerait à une lettre, voilà. Hein? Tu veux me donner quelque chose? Donc c'était lui, hein, vous voyez? Le mec... Ah, voilà, là, ils le mettent en version bien écrite. Vous voyez, c'est pas la même chose que quand on a lu la lettre. Eh oui, c'est vrai. Allez, prends ça, là, c'était repos. Voilà, ça fait piquer un bon petit somme. Voir s'il m'a piqué le Pokémon. Ouais, c'est ça. Maintenant, je n'ai plus le piaf à bec. Donc, vous voyez, c'était juste pour ça. Mais peut-être que l'autre aussi va nous donner... Ouais, ça fait un bon raccourci. Effectivement, c'est un espèce de carrefour, hein, vous voyez. L'endroit où il y avait le simularbre. Je peux y aller dans quatre directions. Maintenant, il faudrait encore retourner à Doublonville, là, pour l'autre con. Voilà, là, ça l'a encore refait. Là, je transfère, en fait, les vidéos... C'est pour ça que il y a des fichiers, je transfère les fichiers Audacity et les fichiers vidéo de mon PC jusqu'au disque dur externe. Voilà, c'est pour ça que là, on a des chances d'entendre... Allez, c'est parti. De voir où était le mec. Il était au nord, non? Attendez. C'est au concours... Ah non, c'est lui! On est passé devant. Voilà, lui, là. Merci de lui avoir livré, une exploration souterraine, et oui, c'est vrai. Je te remercie. Ah, voilà, lui aussi, il nous donne un cadeau, vous voyez, c'est énorme. Ça, ce sera utile pour la revente, encore une fois. Et voilà, une bonne chose de faite, vous voyez. C'était mieux d'attendre... D'avoir délivré le simularbre, c'est beaucoup plus rapide en faisant comme ça. Encore cette histoire d'endroit mystérieux, c'est tout un bordel. Donc, voilà, on est quel jour, là? On est dimanche. Donc c'est qui le mec et il est où déjà? Je sais qu'il y en a un au lac Colère, voilà c'est par là hein, pour continuer le scénario. Le mec de la semaine là, vous savez? Ouais bien, hyper potion. Donc voilà, on peut continuer. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là lui en haut? Combat en duo, voilà, là, deux canons vous voyez pour le prix d'une. C'est énorme. Ah le Vlas, c'est lui! Oh, c'est excellent, franchement, putain, mais on a de la chance, sérieux. C'est lui, là, qui est planqué au jour de la semaine, mais c'est incroyable, sérieux. On va tous les rencontrer, non, ça m'étonnerait, hein, quand même, franchement.
Voilà Dimitri du dimanche. Faut voir. L'aimant pour la... Tain, c'est naze, on n'a pas l'eau mystique, là. Ça augmente la puissance. Et vous voyez, trois arbres à noix grume quand même. C'est dommage, on peut pas... Est-ce que j'ai activé le code pour les... Pas de combat aléatoire. Ouais, c'est bon. Et là, on arrive à Rosalia. Ouais, une ville très... très ancienne. Vous voyez, les maisons, là, c'est typiquement des maisons asiatiques. Hein. Vous voyez, celle-là... c'est assez énorme, quand même. Et c'est dans cette ville-là où il s'est passé les... Ah, voilà, Léo. Il est là, effectivement. On avait dit qu'il était à Rosalia. Donc là aussi, il faudrait retourner à... il y a un skin unique, vous voyez. Là, il nous a spoilé sur quelque chose, lui. Léviator rouge, lui aussi, bah, et donc. C'est c'est le centre Pokémon des spoils, ici, là. Oui, faudrait la CS vol, hein, maintenant, pour pouvoir revenir. Ah, voilà, il a fini tous les transferts, il y en avait trois. Tous les transferts pour, voilà, la salle de danse avec les danseuses kimono. Ouais, j'ai cru entendre des cris de filles, etc. Ben oui, bien sûr. La team Rocket attaque cet endroit. On va le voir. Mais normalement, c'est pas comme ça hein, dans le jeu original, faut voir. Et oui, un gigantesque Pokémon. Il ressemblait à un dragon. Qu'est-ce que ça pouvait être? Il couvrait le ciel de ses ailes. Ah, c'est l'arène Pokémon avec Mortimer. Est-ce qu'on avait été ici là? Tu y vas par mont et par vaux, tu n'es pas d'accord? Un cherche-objet, c'est splendide. Il y avait des objets dans la tour cendrée, et oui, de Rosalia. Parce que c'est une ville où il y avait deux tours gigantesques, en fait. Il y en a une qui a été détruite, voilà, une à l'est, une à l'ouest. Il y en a une qui a été complètement cramée. Alors le passage d'un Pokémon, voilà, c'est celle-là, non? Où il reste, voilà, il reste plus que des ruines. C'est le Pokémon qui vivait ici qui l'a lui-même détruite, en fait. Un arbre secouable. Parce qu'avant, il vivait en harmonie, il y a quelques années. On a vu un Pokémon mystérieux en bas à gauche de l'écran. Et là, on en voit d'autres, là, vous voyez. On voit trois Pokémon. On en connaît deux sur trois, là. On les a déjà vus dans nos épreuves. C'est les chiens légendaires, hein. Pour l'instant, ils sont toujours là. Mais ils vont partir à notre passage. Et là, on voit... on voit le champion, vous voyez, qui a été absent. Et Eusine, voilà, c'est ça. Lui, on entend son thème, là. Il est apparu qu'avec Crystal. Il était souvent sur notre chemin. Il veut se montrer digne. Il est obsédé par Suicune, vous voyez. Et oui, regarde à travers les trous du plancher. On a fait tout ce qu'il fallait faire, mais il ne bouge pas. On dirait qu'ils attendent quelque chose. J'ai décidé de l'accompagner, vous voyez, ils se connaissent. Et voilà Marcus, il va nous défier. Faut voir. Ne rêve pas. Un minable comme toi ne peut pas capturer les Pokémon légendaires. Je les attraperai tous. Et je réglerai son compte à la Team Rocket. Oh, déjà 4 Pokémon, incroyable. Donc là, bonne chance hein, pour y arriver. Putain, niveau équivalent. C'est énorme, sérieux. Allez, bulle d'eau, prends ça. On va spammer toujours la même... Oh putain, one shot, comment ça se fait? Magnéti, voilà. Pokémon acier électrique. Même si on n'avait pas été dragon, ça aurait été pas bon pour nous. Bien joué, on est confus. Cage éclair en plus, le combo gagnant. Oh non, Sonic Boom, attention, c'est redoutable. On va perdre, hein, je crois. Ça fait 20 points de dégâts. Hein. 20 points de dégâts fixes. Quel que soit le niveau de l'adversaire, etc. On est obligé de se soigner, c'est pas terrible. Hein. Je fais cruel. Je vais utiliser toutes mes potions. Hein. Putain, il nous a encore. On va faire anti-para peut-être si on l'a. Ouais, bien. Prends ça cruel. Il est cruel avec nous, vous voyez. Putain, fait chier cette confusion là. Ça, on n'est plus qu'à 4 points de vie, c'est ça le prix. Étonnement. C'est pour... ça a des chances de foutre la trouille. Putain, mais fais chier cette... cette confusion, sérieux, on a plus de potions, là, avec tout ça, là. Et merde, on n'a pas de potions. On a même pas une petite herbe. Ouais, bien. Il en reste deux, là? Non, un seul. Bien joué. Yo, 22. Gros givre, excellent.
Ouais, bien, les plus confus. Oh, c'est tout ! Dernière potion. Après, on sera obligé d'utiliser nos coups de boule. Oh, mais putain ça, mais c'est incroyable, là, la résistance. Vous voyez ? Que ce soit bulle d'eau ou coup de boule, ouais, même bulle d'eau, c'est plus efficace que coup de boule. Prends ça, morsure. Il a des chances de nous foutre la trouille, malheureusement. Lui, il donne jamais de potions, hein, c'est l'avantage. Vu qu'il traite ses Pokémon comme des outils, comme des... mâles, quoi, en fait. Eh ben, comme des mâles et des femelles, et oui. Non ! Hors de mon chemin ! Eh ben, eh ben, on n'aura plus à se battre, hein, normalement, dans cet endroit, donc je préfère ne pas revenir. Eh ben, voilà. C'est pour ça qu'il donne pas Et là, c'est un petit peu con, parce que Euzin, s'il voulait vraiment capturer Suicune, il serait venu maintenant, là, vous voyez. Il serait venu ici. Parce qu'il est juste à côté de nous, là. Et en nous voyant, ils prennent peur, et ils s'enfuient, vous voyez. Et je sais pas, et lui, il reste plus longtemps, vous voyez. Oh non, tu as vu ça? Il t'a regardé d'un drôle d'air, je me demande si... Non, c'est moi qui me montrerai digne de lui. Ouais, c'est un petit peu ça, une histoire de rivalité, bien, Antidote. Là, on peut pas y aller, hein, voyez, à gauche. Faudra y revenir plus tard. Quand on aura peut-être force. On n'a pas assez de force, ouais, c'est ça, regardez. On voit les boules d'heure, hein, voilà, c'est ça. C'est boules d'heure dash. Avec le fameux thème. Donc, il y avait deux Pokémon légendaires qui vivaient dans cette ville avant. C'est les Pokémon emblématiques de la version... Ouais, il est retourné dans son arène, maintenant. De la version or et argent. Ah, il bloque le chemin maintenant, c'est drôle. Vous voyez, avant on pouvait passer ici. Maintenant il nous raconte l'histoire, vous voyez. Il dit qu'il a été champion. Vous voyez, avant je pouvais venir ici, là. Bon, non, je peux plus, c'est assez énorme. Et ça, c'est l'autre tour. La tour Carillon, vous voyez. Et là, par contre, on peut pas y aller. Vous voyez, il faut l'autorisation d'une certaine personne. Peut-être après avoir battu Mortimer, hein, allez savoir. Ouais, c'est ça. Je suis désolé, revenez plus tard. Le Pokémon au plumage flamboyant en forme d'arc-en-ciel. Et le Pokémon en forme d'argent. Ils étaient là avant. Ah oui, les kimonos, faut y aller. Ça va nous donner un objet, je suppose. Il y a une école de danse. Avec des sœurs kimonos qui sont au nombre de 5. Qui, on les voyait dans l'animé Sakura, etc. Et là, ben on doit les... Elles n'ont pas de nom, mais elles ont toutes une robe différente, j'espère, sinon c'est un petit peu naze. Non, au secours! Non, ça se trouve, elles sont toutes habillées en rouge et vert, hein, vous voyez, comme elles. C'est dommage, hein, qu'il n'y en ait pas une violette, une rouge, une orange. Parce que là, du coup, en fait, on a l'impression qu'on rencontre toujours la même personne, mais en fait, c'est des sœurs différentes, hein, vous voyez. Moi aussi, je veux danser. Oh non. Il fait quoi, le sbire? Fais quelque chose, sauve-le. Ah, lui, il ressemble à Léo. Oui, il faut... Ça se trouve, c'est pas un... c'est pas un skin si unique que ça, faut voir. Dégage. Je veux capturer les Pokémon de la... Oh, niveau 12 seulement. Mais c'est quoi ce problème au niveau des niveaux, justement? C'est n'importe quoi, sérieux. Bon, ok, je suis pas doué pour la danse, mais... Mais tu ne perds rien pour attendre. Bon, non, c'est juste des délires. Mais vous voyez, dans la... CS Surf, bien joué. Dans la version... Or et argent, ça se passait pas du tout comme ça, hein. Mais il faut le badge de Rosalia, hein, pour l'utiliser. Eh ben, ouais, si l'occasion s'en présentait, mais ce sera quand? Parce que là, c'était maintenant, hein. Dans Or et argent sur Game Boy, en fait, on entrait, il n'y avait pas de sbire Rocket. Les 5 étaient toutes présentes, en train de danser, là, sur l'estrade. On leur parlait, et on devait les affronter toutes, l'une après l'autre, et elles avaient chacun un Evoli évolué. Les 5 qui existaient, donc... Donc, vous voyez... Là, c'est pas pareil, hein, pour le coup. J'imagine qu'on peut les affronter que à la fin du jeu, on verra. En tout cas, là, on n'a pas le choix, il faut...
fausse. Oula, là aussi c'est plongé dans le noir hein, normalement, mais là aussi ça bug à cause de l'émulateur, c'est tout moche. Je vous explique comment ça fonctionne. On a des dresseurs. Exorcistes. Voilà, vous voyez les vieilles dames là. Il n'y a que de ça. On est obligé de les affronter, de passer devant leur regard en fait. Et, mais je crois que ça a changé dans cette version. Ils ont modifié ça. Si je, regardez, si je marche dans le vide, eh ben je tombe par terre et je reviens au début de l'histoire, vous voyez. Oh putain, même quand j'utilise les codes pour passer à travers le mur, ça va pas aller, ça. Ouais, parce que en fait, il faut... Il disait, dans le jeu original, la sortie se trouve devant mon regard. Ben non, vu qu'elle regarde devant elle. Donc, vous voyez, il y a un moyen, je suppose, mémotechnique pour y arriver. Mais bon. Voilà, on a pu y arriver sans faire un seul combat, c'est énorme. Donc, champion de type spectre, hein, vous voyez. Ouf, j'ai eu peur qu'on soit obligé de les affronter. Donc là, je crois que ça a légèrement modifié. Peut-être qu'après les avoir battus, ils se tournent vers l'endroit où il faut aller, j'en sais rien, mais c'est pas évident hein, quand même cet endroit. Et oui, il est dit que quelqu'un doit se présenter pour être... pour faire revenir les Pokémon légendaires dans la ville, ce sera moi. Ça fait des années que je m'y prépare. Tu ne me mettras pas de bâton dans les roues. Putain, 4 Pokémon déjà? C'est que le 4e champion. Fantominus. Allez, bulldoze, prends ça. Ouais, bien. Mais lui, j'imagine qu'il a que des ectoplasma. Niveau 25, avec une moustache hein. C'est un bug d'émulation, peut-être, non? Donc là, je vous explique. Ectoplasma, c'est l'évolution finale de Fantominus. Voilà, celui du milieu étant Spectrum. Je crois qu'il a 2 Fantominus, 1 Spectrum et 1 Ectoplasma. Ce qui est un petit peu abusé, hein, quand même, à ce stade du jeu. Voilà, balle d'ombre. En plus, prends sa saloperie. Donc là, c'est sa meilleure attaque, hein, pour info. Non, mais c'est une blague. 40 points de dégâts. Prends ça. Oh. Non mais attends, c'est pas possible, on va jamais y arriver, là. Voilà, il nous two-shot. Parce qu'il est surpuissant hein, au niveau du spécial. Donc soit on level up, soit on trouve une solution. Trouve une solution! Comme dans Miaouz dans l'animé. Piou! Voilà, je reviens au début. On devait pas aller à Doublonville, là, pour faire quelque chose, justement. Non, je sais plus. Mais là, j'ai envie de retourner à Doublonville pour acheter des objets. Faut voir s'il y en a, là, dans le Pokémarket. Là, c'est que des objets à la con, normalement. S'il doit y avoir des objets pour augmenter les stats, c'est ici, hein, normalement. Là, il y en a pas. Faut aller à Doublonville, hein, pour acheter des défenses spéciales plus. Il va nous en falloir, hein, je pense. Ouais. Parce qu'un simple level up, ça va pas suffire, hein, malheureusement. Là, j'ai envie d'utiliser 2 défenses spéciales plus et 2 attaques spéciales plus. Parce que là, vous avez vu, on lui fait que de la merde, hein, niveau dégâts. Je vais affronter les... eux, là, pour voir ce qu'ils nous disent. Ouais, parce qu'ils sont... Oh putain, 6... 5 Pokémon, c'est incroyable. Ouais, ils ont que des Fantominus. Bon, on va essayer de level up comme un porc, hein. On va bien voir si on va y arriver. C'est quoi le... On n'utilise que les 1, aucune attaque de type normal, ni combat. Les combats aussi, c'est pareil. Ils craignent pas les... Ah, je pouvais l'esquiver celui-là, non? Spectrum! Nightshade. Donc, ténèbres, ça fait... S'il est niveau 20, ça fait 20 points de dégâts, bien joué, les critiques. C'était vachement le moment. Prends ça, saloperie. C'est quoi? Hâte pour augmenter notre vitesse de 3 crans. Mais putain, il m'énerve avec ça. Abandonné, hâte. Allez, voilà. Faut voir si on pouvait l'esquiver. Oh, ça réduit les zones d'ombre, en fait. Eh oui, c'était pas comme ça, hein, dans Or Argent original. Effectivement.
Et là, on a déjà vu ça, c'est naze. Prends ça, saloperie. Putain, je l'ai one-shot, comment ça se fait? Voilà. Vous voyez, mais là, par contre, ça ne l'a pas effacé. Ah ben, c'est revenu, c'est complètement con. Bon. Là, on est niveau 23. Ça nous fait une petite aide, hein, je suppose. On n'est pas vraiment du même niveau que l'autre, mais bon. Fuck, non. Pas reculer assez. Mais putain! Il y en avait un autre. Celui-là, on l'a pas affronté, je crois. Elle, là. On se concentre. Voir. Eh ouais, c'est ça, hein. Il y en avait 4, c'est assez incroyable. Prends sa saloperie. Tu vois, c'est toujours les mêmes sortes de Pokémon. Ouais, bien, niveau 24. Photominus. Voilà. Bon, les Flower, on le voyait à plusieurs reprises dans l'animé. Il y avait la fille sur le roc, là, qui priait. Allez, on y va. Et Photominus prenait l'esprit de cette fille qui vivait il y a plusieurs siècles, etc. Elle attendait le retour d'un soldat qui est parti en guerre. C'est probablement une légende japonaise, hein, qu'ils ont repris à leur sauce, etc. Bon. Fais chier à m'envoyer Ectoplasma direct, là. Il devrait le garder pour la fin. Putain, fais chier, il attaque en premier, et en plus... Ah, il va pas nous two-shot. Nous, on a peut-être des chances d'y arriver. Oh, putain, fais chier, une Bécitrus. Toudou, toudou, toudou. Ouais, mais tu sais que Super Potion, ça sert à rien, Jackie. Putain, fais chier avec sa balle ombre, là. C'est bon, on va la voir, là. Oh, c'est nickel, mais vous voyez, franchement, c'est très... 1000 points d'expérience. C'est très limite, hein. Là, on en a chié, hein. J'espère que lui, il va pas faire balle ombre. Oh, putain, pas hypnose. Faut voir si j'ai un réveil. Ouais, j'en ai qu'un seul, hein. T'as pas le droit à l'erreur, Jackie. Ouais, bien joué, Dévorev. Parce que ça, c'est le combo gagnant, encore une fois. Malédiction, non, pas ça. On va se prendre des dégâts périodiques, vous vous rappelez? Golemastok nous l'avait fait, putain, c'est ignoble. Oh non, c'est horrible, sérieux, on va pas y arriver à cause de ça. Tweet. Regard noir, on peut plus s'enfuir, faut voir les dégâts que ça fait. Ça fait 20 points de dégâts quand même, prends sa saloperie. Nightshade. Je me suis tellement entraîné, non. Je ne peux pas perdre maintenant. Putain, fait chier, il a utilisé une hyper potion. Oh, bien joué, le coup critique. Oh, c'est énorme, franchement. J'avais peur que Ténèbres, ça refasse effet, là, maintenant. C'est pour ça que je me suis re-soigné tout à l'heure. C'était un petit peu le bordel, c'était un petit peu chaotique, mais on a réussi. C'était pas évident, franchement. Heureusement que le critique est arrivé au bon moment. C'est totalement de la chance, encore une fois. Là, il va nous donner quoi, la Dévorev? Non, balle ombre, bien joué. C'est très puissant. C'est l'une des attaques spectres les plus puissantes. Donc maintenant, ben, on peut aller à la tour. C'était pas de tout repos. Là, j'ai envie de faire un backup de la sauvegarde. Donc de quitter le jeu et de revenir. Parce que là, c'est trop important. On a tellement assuré. Je pourrais revenir, refaire en off si jamais il y a un crash, etc. Avec les codes pour mettre KO en un coup, mais bon. Là, c'est... Je préfère quand même le faire. Allez, à de suite. Allez, nous voilà repartis. Alors voyons voir si on peut faire quelque chose dans cette tour. C'est peut-être un labyrinthe, hein, allez savoir. Alors, est-ce que je peux passer maintenant? Eh oui, Ho-Oh n'est jamais revenu. Ah, il dit son nom. Cela ne suffira pas! Mais vous pouvez passer. Oui, c'est pour nous dire qu'il faudra y revenir plus tard, hein, à la fin du jeu, pour capturer Ho-Oh, en fait. Ah, on peut... Là, c'est un cauchemar, hein, cet endroit. Je vous en avais parlé dans Black and White 2, normalement. Ah, quoique... C'est un sentier. Et qui nous mène à la tour. Voilà, c'est ça, la tour. Peut-être qu'on va pouvoir ramasser des objets, voilà, avec des statues de Ho-Oh, vous voyez. C'est énorme, hein, ce Pokémon. Peut-être qu'ils savaient avec certitude qu'à l'époque de Rouge et Bleu, ils allaient faire un Pokémon comme ça, parce que le Phénix, c'est Ikki, etc., les Chevaliers du Zodiac, vous voyez. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Nombreux, revenir, l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, vous voyez. Il faut revenir avec cet objet. Faut voir. Mais c'est une blague, il nous laisse pas passer, là. Mais ça servait à rien, bordel, de venir maintenant, là. C'est complètement con. Parce que là, les objets, il faut... Ouais, d'accord. En fait, on reviendra plus tard.
Et ouais, on pourra pas commencer à ramasser les objets. Lol, fallait lui cliquer dessus pour qu'il s'écarte. Bon, faut voir si je peux aller à gauche là. À droite, c'est vers. Là, vous voyez, c'est un petit peu étrange comme moment. On peut aller soit à droite, soit à gauche. Voilà. Vers à gauche, c'est Olyville. Et vers à droite, c'est Iricia. Voilà, dont je vous avais parlé. Je pense pas qu'on ait grand chose à faire à droite. On doit commencer par la gauche, hein, vous voyez. Parce que la droite, c'est bloqué d'une façon ou d'une autre. En sachant qu'à partir de maintenant, on peut utiliser Surf, non? Je sais pas. Hey, tu viens de loin. Voilà, la fameuse route 38. Dont je vous avais peut-être déjà parlé. Voilà, la potion max. Moi, je m'en souviens bien, parce que c'est comme la CT-38, vous voyez? Qui est déflagration que je donnais à... Voilà, et elle, c'est Armel. Normalement. Ah, quoique... Non, elle est là. C'est elle, normalement, dans... Dans, je m'en souviens bien. Dans le jeu original. Mais là, j'imagine qu'elle a pas le même nom. Voilà, un écolier. On n'arrête pas de faire disparaître les PNJ, c'est magnifique. Putain, comment on va là, là? Faut voir. Quoi? Ah, avec escalade! Ouais, bah putain, faudra revenir ici plus tard. Vous voyez, escalade en venant d'ici. Et ouais. Ouais, donc, surf, j'imagine que maintenant on peut l'utiliser. Hein. Tut! Ce qu'il veut, lui. Baoba! Ah oui, c'est celui qui va ouvrir le parc safari. Normalement, il y est pas, hein, dans Or et Argent. Mais là, il va le créer. Et ça deviendra... Il veut le réouvrir. Il veut en réouvrir un à Johto, vous voyez. Il va nous tenir sans arrêt au courant de l'avancement du projet, etc. Ça fonctionne de façon très particulière. C'est nous qui allons devenir le... J'ai pas assez de B... lui, il s'appelle F-Auto, vous voyez. Comme photo. Il est à différents endroits du monde pour nous prendre en photo avec différents backgrounds, etc., vous voyez. Et voilà le écrémeux qui est malade. Vous voyez, il faut lui donner des B au rang. Mais on en a pas assez, hein, c'est sûr. Et là, normalement, il parlait en version paysan, vous voyez. Dans... très exagéré. Ulmeme et Molode, etc. Vous voyez. Ils donnent plus Eudlé. Voilà, c'est ça. Mais là, ils se sont calmés un petit peu par rapport à ça. Voir si je lui donne une B au rang. Encore une fois, c'est pour ça que je disais qu'il en fallait 4 ou 5. Hein. C'est pour lui. 2. 3. Bien. Ah, un peu mieux. Vous voyez, mais c'est pas suffisant. 4. Oh, on n'a pas de B au rang à lui donner. De toute façon, même si on en avait eu 4, ça aurait pas été suffisant. Je pense qu'il faut lui en donner 5. Et ouais, et après l'autre va nous récompenser, etc. Ah, c'est quoi ça? Bon, bien, vampipoint. Mais nous, c'est évident qu'on peut pas l'utiliser. Donc là, ben voilà, faut aller à Olyville. Où il y a encore un champion et il y a une quête annexe à faire. Il y en a même deux à un intervalle de temps très court. Voilà, on y est, là. Et, voilà, lui. Quoi, tu voulais défendre le... Il va pas nous défier, hein, je pense. Tu voulais défier le champion? Pas de bol, elle est pas là. Tu commences vraiment à me courir sur le haricot. Quelle perte de temps, les Pokémon faibles, on s'en débarrasse. Parce qu'il y a un Pokémon malade, un autre. C'est un Pharamp qui éclaire le phare, en fait. On utilise sa lumière pour éclairer le phare, le... Ouais, bien. Super canne, excellent. Je m'en doutais qu'il allait faire ça. Ça... On peut pas le combattre tant qu'on n'a pas... Tant que le Pokémon ne va pas mieux. Mais il y a un seul ingrédient, une seule potion qui est capable de le soigner, c'est la potion secret, si vous vous rappelez. Et on n'en trouve qu'à... Et une autre ville, ouais, les capsules ball. Comment ça on peut se battre? Faut voir sa capsule. Oh bien, vous avez vu, ça fait apparaître des pétales. C'est ça les capsules ball.
Maintenant, prends sa saloperie. Oh bien, 600 points d'expérience. Ouragan, on va le prendre. C'est une attaque dragon. Allez, à la place de puissance, c'est trop du axe. Mais c'est très faible, hein. Ouragan, c'est le type spécial. Ça doit avoir quelque chose comme 20 en puissance, vous voyez. Oula, un restaurant où on bouffe à volonté. Où il y a des concours de bouffe. Non, ça c'est à... C'est à la ville de Erika, là. Je me souviens plus comment ça... Ça s'appelle. Bon, je vais grimper le... Là, il y a un bateau qui permet de rejoindre Holyville à autre chose. Voilà, une autre ville. C'est quoi ces deux maisons, là? Quand je fais des bêtises, je me fais gronder. Comment ça, j'ai pas de boîte seau? On a dû la rater, hein. C'est bizarre qu'elle nous l'ait pas donnée. Je cherche un Pokémon, un Krabby contre un Voltorb. Ok. Bon allez, voilà le phare, il est ici. On va faire l'ascension du phare, vous voyez, où il n'y a que des dresseurs, encore une fois. Et c'est bizarre, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'ascenseur hein, dans le premier. Donc ça fonctionne de... Il y a différents étages, vous voyez, avec... On doit les parcourir. Sauf que... Il y a différentes échelles, vous voyez. Sauf que si on veut ramasser tout, eh ben on doit... On doit pas se contenter de monter aux échelles, vous voyez. Fait chier lui là. Voilà. Je vais vous montrer ça si on peut. Font chier ces dresseurs, sérieux. Donc là, pour l'instant, on va se contenter de monter les échelles bêtement, vous voyez. Ben voilà, on est déjà coincé, vous voyez. Ouais, bien, vantardise. Voilà, on est déjà coincé, vous voyez. Il n'y a qu'une échelle qui descend, on n'en a pas vu d'autres, etc. Donc là, regardez, c'est fourbe. Il faut aller à droite. Voilà, pour sortir et revenir à... Oh là, ça m'a fait tomber. C'était pas comme ça hein, dans le jeu original. C'était une autre échelle, etc. Mais c'était pas évident déjà à l'époque. La vue est plus vers le bas, vous voyez. Attention. Je ramasse cet objet, s'il vous plaît. J'ai complètement disparu dans le noir. Alors, on va continuer par là. Là, le but, c'est d'aller parler à Jasmine. Hein. Pour qu'elle nous dise ce qu'on doit faire, elle va nous confier à nous la responsabilité de soigner le Pokémon. Parce que, évidemment, s'il n'y a plus de lumière dans le phare, eh ben, ça va plus du tout, quoi, pour les bateaux. Ils vont plus pouvoir se repérer, voilà, là, voilà. Et la porte est fermée, là, vous voyez. C'est elle qui va l'ouvrir. Ouais, on va rappeler, on l'avait déjà rencontré dans Platine. Jasmine, dans la ville de... Ah non, Iricia, c'est l'endroit où il y a Chuck, en fait. C'est pas l'endroit où il y a Fredo. Donc c'est la prochaine ville où on va aller, vous voyez. À peine on vient d'arriver ici, et on doit déjà... Là, ça nous fait un raccourci, vous voyez. Qu'on doit déjà changer de ville. Vous voyez, c'est assez particulier, hein, on n'a pas l'habitude de ça. Ça nous prend un petit peu au dépourvu. Ça casse un petit peu nos habitudes. Faut qu'on achète des hyper potions. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin de surf, hein, d'ailleurs. Ouais, parce que là, les super potions, c'est devenu pourri. Hein. C'est plus suffisant, maintenant. Quoi, mais il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas à la vente! Bon, faut qu'on retourne... Ouais, je vais devoir le faire en off, malheureusement. C'est dommage, hein. Faut qu'on retourne... Oui. Faut qu'on aille dans un endroit où il y a un distributeur et que j'achète des trucs qui nous soignent pour 100 points de vie. Vous voyez? Donc, je sais plus si c'est limonade ou soda cool ou je sais pas quoi. À mon avis, c'est le dernier, hein, c'est limonade. Il va falloir qu'on fasse la blinde parce que là, c'est trop loin. Doublonville, c'est vachement loin, malheureusement. Et au sommet du centre commercial, si vous vous rappelez. Donc je vais être obligé de le faire en off. Et je vous retrouve juste après, c'est parti. Bon, ça y est, nous voilà repartis. Alors, bon, ça va, ça allait à peu près, hein, mais le plus dur, c'était d'esquiver les dresseurs, hein, bien sûr. Donc, voilà, des limonades. Encore une fois, ça nous régénère 50, ça 80 et ça 100, normalement. Donc, allez, c'est parti, on va acheter des limonades à gaver. Mais ça va faire ça à chaque fois, c'est un petit peu relou. On va en acheter une dizaine. Hein.
Parce qu'il nous en faut pour deux champions. Voilà. Oh putain, mais on a que 18 000. Ça va fondre à vue d'œil, là, notre réserve de fric. Parce que là, les super potions, c'est... Oh, bonus, une autre canette. Canette est tombée, c'est énorme. Donc si, vous voyez, c'est quand même possible, hein. Et ça, je pense pas que ce soit possible dans les jeux old school. Ruby et Saphir, rouge et bleu et or et argent. Ceux sur Game Boy première du nom. Là, on va en prendre à gaver, hein, franchement. On peut jamais savoir quand on en aura besoin. Eh, j'ai envie de profiter de ce qu'on soit ici pour aller... Ah, c'est la dame des CT. Faut voir. Ah non, les prix du dimanche. Lux Ball est une B. Bah ouais, mais ouais, c'est une B aléatoire, c'est ça. J'aimerais bien obtenir une B au rang. On va sauvegarder, j'ai envie de restart le jeu jusqu'à ce qu'on tombe sur une B au rang, en fait. Ce qui n'est pas du cheat, hein, on peut le faire en temps normal. Mais en espérant qu'on ait le troisième prix. Oh non, le numéro 2. Une Lux Ball, je m'en fous. Je pense que si je recommence, ce sera quand même le prix numéro 2, hein, malheureusement. Eh ouais, c'est ça. Oh, c'est dommage, franchement. Sinon, faut aller voir Fargas, hein, mais c'est bizarre, il nous a pas appelé. Peut-être que c'est bel et bien 24 heures, hein, allez savoir. Convient parfaitement. La CT 27, retour. Voilà, c'est ça, c'est elle, la dame des CT. C'est elle qui nous donne retour. Si vous avez un bonheur élevé, je suppose, peut-être même maximum. Et si vous avez un faible bonheur, elle vous donnera frustration. Ouais, c'est ça. Et oui, je voulais en profiter de ce qu'on était ici pour faire ça, justement. D'ailleurs, retour, à mon avis, c'est mieux que coup de boule. Hein. Bah ouais. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne... Mais ça peut pas foutre la trouille. Et qu'est-ce que je fais? Je lui donne retour. Je voulais en profiter pour faire autre chose. Non, non, mais c'est bon. Hein. Faut voir, on a combien d'objets de soins. On en a 12. C'est bon. C'est suffisant, je pense. Bon, ben, je refais le chemin en off. Et ouais, ça pourrait être une bonne idée, mais bon. Je sens que je vais regretter de ne pas... Bon, allez, pour l'instant, j'ai envie de faire 100. Et après... on reviendra ici plus tard, hein, si on en a besoin. Ouais, c'est plus ou moins long, selon qu'on va du niveau 1 au rez-de-chaussée, ou du niveau 5 au rez-de-chaussée. Ça, c'est pas mal, hein, encore une fois. Bon, allez, je reviens à pied jusqu'à jusqu'à la ville de Jasmine. Et on est parti pour utiliser Surf et... Ah oui, d'ailleurs, faut lui donner, hein, pauvre con. Ouais, depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, pourquoi je l'ai pas fait, pauvre con, là? Parce que c'est notre attaque au final. Voilà, on n'aura pas mieux. Hein. Donc c'est une CS, on peut pas l'oublier. Là, il est temps de se réveiller, Jackie. Voilà. Donc vous voyez, on passe de 65 en puissance à, tenez-vous bien, 95 en puissance. C'est abusé. Vraiment, limite, on devrait pas l'utiliser maintenant. Mais quoique, hein, les autres, ils sont surpuissants. Attends, arrête tes conneries. Et voilà, regardez, Ouragan à 40 en puissance. Voilà. Mais ce sera pas notre attaque dragon finale. Voilà. Moi, à l'époque de Or et Argent, mon attaque finale dragon pour Hyporoi, c'était... C'était Dracosouffle. Voilà, ça a des chances de paralyser. Et ça a quelque chose comme 60 en puissance, je pense. Mais bon, c'est pas l'attaque finale, l'attaque dragon finale. Voilà, allez, je me mets Surf. Et voilà, à partir de maintenant, faut voir si je peux utiliser Surf. Il nous faudrait une... Normalement, oui, hein. Il nous faudrait une étendue d'eau, comme là, là. Faut voir. Voilà, donc comme ça, je vous aurais montré ce que ça donne, mais je l'ai déjà fait, hein, je crois. Voilà, mais au moins quand on a un pouit, au moins dans Or et Argent... Ah, mais là aussi, c'est abusé. Malgré le code action replay, putain, ça va nous faire chier quand même. Il nous faudrait des repousses. Voilà, le code action replay pour ne pas avoir de combat aléatoire ne fonctionne pas quand on est dans l'eau, malheureusement. Ça va nous gonfler, hein, franchement. Bon, allez, je reviens à Pince. Jusqu'à... Là, faudrait revenir en arrière, hein, pour visiter tous les coins d'eau. Mais... Ouais, ça va nous gonfler. Avec ces histoires de crash et tout. En temps normal, je l'aurais fait. Mais là, avec le fait qu'on n'a pas vol, etc., on se gardera ça pour au moins le fait d'avoir la CS vol. Et il faudra un Pokémon oiseau. Hein. Bon, allez, je vous coupe et on se retrouve pour la suite. Bon, ça y est, nous voilà repartis. Alors, peut-être que j'ai trouvé un moyen de ne pas
avoir de combats aléatoires. J'ai acheté 6 repousses, ça m'a coûté 2000 balles je crois. Sinon il y avait des super repousses, mais ça ne repousse les Pokémon que pour 200 pas au lieu de 100 pas. Donc ça vaut pas le coup, hein, vous voyez. J'ai préféré prendre des repousses normales, c'est quoi ça? Zone de combat. Tut! C'est fermé, c'est ça? Ouais, comme d'habitude, vous voyez. Et mais je pense qu'on va même pas avoir à les utiliser, en fait, parce que il y a un autre code action replay que j'ai activé. On le voyait, hein, dans la boîte. Je peux vous le montrer, là. C'est repousse max, en fait, voilà, vous voyez. Repousse max, entre les deux que j'utilise. L plus R. Et donc, même si je n'ai pas d'objet dans mon inventaire, je crois que ça agit comme si j'utilisais un repousse max, en fait. Ouais, je crois. Hein. Donc là, je vais vous montrer comment ça marche, les repousses. Ça, c'est un objet qui vient se foutre ici. Voilà, j'en ai 7, vous voyez. J'en utilise un. Vous voyez, on l'entend. Et repousse les Pokémon sauvages pendant 100 pas. Mais ça ne fonctionne que si vous avez un niveau bien supérieur. Pas un ou deux niveaux de plus, hein, parce que ça déclenche quand même des combats. Regardez, là je peux faire autant de pas que je veux. Je ne déclenche pas de combat contre les Pokémon sauvages, vous voyez, grâce au repousse. Mais au bout d'un moment, ça va s'estomper. Il va nous le mettre. Et ça va nous proposer de... Ouais, bien, Picor. Ça va nous proposer de... voilà, vous voyez. Ah, même pas. Là, ça nous a pas proposé. Et faut voir ce qui se passe si j'appuie sur L plus R. Parce que là, pour l'instant, j'en suis à 6. Faut voir, je fais L plus R. Et je suis toujours à 6. Là, normalement, ça devrait aller. Hein. Il suffit de faire L plus R dès qu'on voit le message. Il n'était pas censé venir ici, je pense. Ah, il y a des Whirlpool. Ouais, il y a des... Il y a des tourbillons. Là, ils sont immenses, hein, contrairement à Or Argent original, où c'était que un tile. Voilà, comme les rochers, là, qu'on voit autour. Eh ben, font chier, là, ces dresseurs de merde. Je suis sûr qu'il y avait autre chose à faire. Et donc, il faut la CS tourbillon. Non, c'est pas tourbillon, c'est quoi? C'est siphon, voilà, pour... un siphon fonfon les petites marionnettes, voilà, c'est ça. Ça, vous voyez, on peut descendre très bas, hein, et on peut le faire dès maintenant, hein, ça. Mais pour pouvoir rentrer dans ces grottes, où il y a un Pokémon légendaire qui nous attend, eh ben, on est obligé d'avoir la CS siphon, et d'avoir le dernier badge. Voilà, c'est ça, vous voyez. En fait, j'avais pas besoin d'utiliser les... d'acheter les repousses. Avec ce code, on peut effectivement... Là, vous voyez, ça fait plein de dresseurs à affronter, hein, c'est assez incroyable. Et voilà Iricia. Voilà. C'est là notre prochain objectif, encore une fois. On doit faire pas mal de choses. Et notamment affronter le champion de cette ville, hein, parce qu'il y en a un. Voilà, des Pokémon de type combat. Voilà, lui, c'est Guido, hein. Il est venu au centre Pokémon parce qu'il a peur des grosses brutes. Les disciples de type combat, etc., qui sont dans l'arène. Voilà, la pharmacie d'Iricia. Hein, quel est le problème? Ah, je vois le Pokémon du phare, c'est vrai, j'en ai entendu parler. Et voilà, la potion secret que Cynthia nous avait déjà donnée, si vous vous rappelez. C'est ça, hein, dont je parlais. Donc là, rien ne nous empêche de retourner à... Oh non, avec des cheveux rouges, voilà, on se demande de quoi il parle. Voilà, il va nous donner Nessie. Donc c'est un surnom, c'est un Karatroc en fait. Voilà, vous voyez, je vais lui prendre sa baie. Un jus de baie. Vous voyez, c'est un jus fait à partir de baie. Tellement de Pokémon insectes au parc naturel, et oui, ils organisent un concours, c'est ça. Tu devrais essayer avec les tiens. Allez, je vais mettre Nessie dans la boîte. Donc vous voyez, c'est assez énorme, je crois que c'est la seule façon d'obtenir un Karatroc dans ce jeu. Allez, on y va. Y a quoi ici? Ça, c'est la maison de Chuck, non? C'est sa femme, etc. Non, je sais pas. Hein. Non, elle doit... Non, elle est là, je crois. Voir. Voilà. Si tu arrives à battre mon mari, eh ben...
Je te donnerai la CS for vol, voilà, pour pouvoir revenir, mais on n'a pas d'oiseau, malheureusement. L'appareil photo, et oui, c'est moi qui l'ai mis là. Donc là, on peut prendre un appareil photo avec ça, je suppose. On va aller à la grotte, voir ce qu'il y a de beau. Parce que là, ce serait un petit peu relou, hein, de refaire surf, etc. Oh, voilà, Suicune. Est-ce qu'on va défier Eusine? Non, Eusine, attends, ne fais pas ça. Vous voyez, c'est des ajouts de la version Crystal, encore une fois. Tut! Attends! On se demande comment il est venu ici. Je ne te laisserai pas t'approcher de Suicune, c'est moi qui en est digne. C'est un petit peu ça, hein, vous voyez. Je vais te défier pour montrer à Suicune que c'est moi le meilleur, et que je suis digne de lui. Faut voir la musique. Ouais, c'est la musique normale. Mec mystère! Oh putain, niveau 25! Soporifique. Il y a pas mal de Pokémon de type psy, vous voyez, prends ça saloperie. Wouah, incroyable, les dégâts, ça lui a rien fait. Il va faire dévorer, c'est ça, je m'en doutais. Faut qu'on se réveille, hein, Jackie. J'aurais dû acheter des réveils, malheureusement. Des gels, ouais. Soigne du poison, fais chier, on l'a pas. Fais chier avec cette technique de merde, là, et comme par hasard, ça rate pas, hein. Il nous fait des dégâts. Oh putain, un coup critique, quoi. Il va te faire. Oh, mais c'est naze. C'est nul à chier, sérieux. C'est pourri cette technique, sérieux. Faut arrêter là. Et hypnose, normalement, ça n'a qu'une faible précision là. Mais là, ça touche tout le temps, comme par hasard, pauvre con. Là. Prends ça. Voilà, regardez. C'est naze là, putain. Et en plus, regardez, on se réveille pas. C'est nul à chier là. Voilà, bien joué. Coup de boule. Mais bon, il nous a bien fait chier quand même, hein. Bien joué, Electrode. Aimer Electrode. Putain, mais Fatal Foudre, t'es sérieux? Faut se soigner, Jackie. Hein. Percussion. Ouais, bien joué, Sonic Boom. Putain, mais il est plus rapide, fait chier, là. Spectrum. Bon, lui, on le connaît. Hein. Ouais, bien joué, il a raté son attaque. Je sais pas ce que c'était, mais bon. Les chouilles. Ça peut nous paralyser, hein. C'est une attaque spectre très faible. Mais ça a des chances de nous paralyser. Moi, je vois, je comprends mieux pourquoi Suicune a décelé un potentiel en toi. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, on se reverra. Voir. Ouais, escalader, ouais. Ok, c'est vachement intéressant. Je sais plus ce qu'il y a dans la grotte, hein. On va soigner. Oh putain! Attendez, je viens de penser à quelque chose là. Parce que dans l'épreuve diamant et perle, enfin dans l'épreuve platine, il y a de la désynchro audio. Enfin, vous le verrez pas, parce que je l'ai corrigé, c'est très chiant. Une désynchro audio progressive. Et du coup, j'en venais à me demander si ça venait pas de... si ça se trouve, ça va faire la même chose dans celle-là. Si c'était pas à cause de ça, là. Ouais, l'accélération. Ouais, ben ça, on le verra. Hein. Ah, c'est là, le parc safari. C'est là qu'il va être construit, vous voyez. D'accord. Ça se trouve ici, vous voyez. Et ouais. Donc il faudra venir ici sans arrêt pour voir l'avancement des travaux, etc. Donc de Balboa, encore une fois. Allez, donc là, ça fonctionne de façon particulière, cette arène. Vous voyez, Chuck, il est ici. Vous voyez, il est justement ici. Il est sous une waterfall. Voilà, il s'entraîne comme ça. Et il faut, pour qu'il puisse nous écouter, eh ben il faut arrêter la waterfall. Voilà. Allez, on va y aller. Vous voyez, directement, hein, c'est tout en haut. On est obligé d'affronter certains dresseurs, vous voyez, comme ceux-là, là. Avant de pouvoir actionner le mécanisme qui se trouve ici, là, vous voyez. Oula. Voilà, c'est bon. Nous, on va faire directement. Voulez-vous la tourner? Donc ça, on voyait ça... Les mecs qui s'entraînent sous des cascades, c'est pareil, hein, ça doit être... un film... japonais immémorial et sorti très tôt, ou une légende dans des écrits, etc. Et depuis, ça a toujours été repris. Bon, allez. Oui, je veux bien. Je veux bien sauvegarder. On verra bien si on n'est pas de taille, hein, mais là, ça risque de pas être glope. Ah, je vois, c'est toi qui a interrompu ma méditation. Je casse des rochers à main nue, moi. C'était pas comme ça, hein, dans Or et Argent, encore une fois. Bon, allez, allons-y. Quoi? Comment ça? Ça n'a rien à voir avec le combat. Tu vas voir de quel bois je me chauffe.
Ah, seulement 2 Pokémon, là, vous voyez. Mais ils sont d'un niveau élevé, normalement. Ouais, 29, hein, quand même. Donc, vous voyez, ça, c'est assez étrange, hein, quand même. Bon, Surf. Reflet. Allez, touche-le, Jackie. Oh, mais putain, hein, il a fait qu'une fois, arrête tes conneries. On a vraiment pas de bol, hein. Mais, il se fout de ma gueule, là. Donc, il le fait exprès, hein, pour qu'on puisse pas le toucher. Voilà, Mitra Point. Je vous en avais parlé, hein, de cette technique. Là, si jamais on le touche pas, on se prend des dégâts monstrueux. Oh, bien joué. Mais c'est pas fini, hein, malheureusement. Le prochain, il est encore plus fort, et malheureusement, il est de type O. Oh, c'est Tartare. Et ouais. Donc, s'il fait reflet, c'est pour pouvoir faire en sorte que Mitra Point puisse toucher. Je vous avais expliqué la technique. Lui aussi, il va le faire, hein, d'ailleurs. Il va faire... Oh, putain, non! Surf! Tiens, c'est marrant. Pourquoi il fait pas Mitra Point? On va être obligé de faire coup de boule ou... Ouais. Parce que si je le touche, je vais faire bâillement. Hein. Vous savez quoi? Prends ça, saloperie. Prends ça, Surf! Surf, c'est nul à chier. Hein. C'est x0,25 hein, contre nous. Parce que les dragons et le type O, les deux sont résistants au type O. Donc, vous voyez... Il se concentre, prends ça. Si je le touche, eh ben, oh, il a la trouille, excellent. Ah, je savais pas que... Je me rappelais plus que Ouragan, ça peut foutre la trouille, prends ça, saloperie. Regardez! Combien de fois on est obligé de... Oh, c'est quoi qu'il a fait, là? Il a fait Mitra Point? Mais je croyais qu'il avait Hypnose. Ah ouais, il l'a fait, hein, c'est ça. Je préfère l'endormir moi-même. Là, on a de la chance, hein, ça touche bien. Mais il va le soigner, malheureusement. Ça. Doudoum, doudoum. C'est dommage, hein, on avait failli l'avoir. Prends ça, coup de boule. Il a la trouille. C'est énorme. À partir du moment où on lui fait des dégâts... Oh putain, c'est ça que je voulais éviter. Et voilà. Voilà pourquoi il a fait hypnose. Pour que je puisse pas attaquer. Et que... putain, fait chier, bordel. On était trop bien partis, là. On va se faire avoir, hein. C'est trop con, putain. Prends ça, Mitra Point. Voilà, je m'en doutais. Putain! C'est bidon, bordel! Bon, ben, on recommence, hein. On est obligé d'y aller à la mort-moelle-neu comme ça. Mais c'est très tendu du slip, hein, comme combat. Faut vraiment. Éboulement! Prends ça. Oh, mais putain, mais qu'est-ce que c'est, ça, bordel! Allez, bâillement, je spam hein, cette fois-ci. Je vais faire que ça. Il faut lui faire des dégâts, sinon il va lancer l'attaque. Je vous avais expliqué ça dans le précédent... précédente épreuve. Prends ça. Bon, ça me lourdait avec ses mitres à points. Hein. Plaquage, voilà, c'est ça qu'il avait fait tout à l'heure. Que des trucs qui nous font chier, hein, c'est incroyable. Je vais prendre Antipara, c'est le dernier, hein, malheureusement. Oh, mais putain, mais qu'est-ce que c'est, ça? D'où? C'est nul à chier, sérieux. Parce que c'est pas vraiment une attaque en deux tours, comme Lance-Soleil ou... C'est une attaque en un seul tour, mais elle attaque en dernier. Et oui, c'est que des trucs à savoir, hein, vous voyez. Prends ça, Surf. Ouais, c'est mieux hein, de faire ça. Mais putain Heureusement que ça augmente pas ses stats. Voilà, je préfère qu'il fasse ça, hein, clairement. C'est quoi qui est le plus puissant entre Ouragan et Coup de Boule? C'est kiff-kiff, hein, j'ai l'impression. Prends ça, je vais te foutre la trouille. Putain, que c'est long, bordel. Oh putain, mais non! Putain, je pouvais rien faire, là. Bon, on va être obligé d'endurer. Oh! Vous avez vu la puissance? 70 points de dégâts. Bah ouais, hein, c'est très puissant. Bon. Putain. Ah, bah là, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. C'est vraiment abusé du cassoulet. J'aimerais bien mettre KO cet abruti, là, qu'il le change pas comme tout à l'heure. Mais putain, maintenant, c'est la nouvelle mode. Bâillement. Mais putain. Ok, d'accord. Il faut que ça paralyse, hein, tu peux y aller. Mais quoi? Oh, putain. Oh, un seul point de vie restant, bien joué. Allez, vite, prends ta limonade de merde, là. Putain, ça a bien baissé, hein, le nombre d'objets de soins. Allez, go, la coup de boule. Oh bien, coup critique. Heureusement que la puissance est triplée. Eh oui, c'est des triplés. Ils ont eu 3 enfants. Quoi, mais pourquoi?
Parce que j'ai fait bâillement. Chier, bordel. Faut obligatoirement qu'il subisse des dégâts. Hein. Voilà, là, il va le soigner, donc je vais faire de même. Mais c'est bizarre, ça nous a pas soigné à fond tout à l'heure. Limonade. Comment ça se fait? Je vais voir. Oh, ça soigne que 80, mais c'est pas normal. Normalement, c'est 100. Ça a été augmenté avec les générations suivantes. Mais c'est pas normal, putain, c'est n'importe quoi, là. C'est bizarre, quand même. Prends ça. Oh, mais il fait chier, putain! Oh là là! Total soin. Mais là, il va me one-shot, hein, avec l'autre. Je fasse bâillement. Ouais, mais là, je vais pas m'en sortir, là, si je me soigne. Ouais, c'est bon. Prends ça. Voilà, il se soigne. Allez, je m'en fous. J'y vais. Prends ça, ouragan. Faut bien guetter, hein, si... Ouais, mais si, si fait Mitra point, on est foutu. Voilà, je m'en doutais. Ah, fais chier, cette technique de merde. Ouais, c'est malin, vous voyez, de sa part... hypnose, reflet, tout ça, c'est pour qu'il puisse lancer cette merde-là. Ouais, bien. Ça, déjà, on a plus à s'en soucier. Allez, bâillement. Là, on va déjà s'en prendre un dans la gueule, prends ça. Mais, attendez. Ouais, non, c'est... Il utilisait Dynamo Point dans Or et Argent, c'était pas la même chose. Hein. Voilà. Prends ça, ouragan. Prends bien le coup critique. Mais quoi? Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Comment on a pu se faire mettre profond, là? Comment on a pu se faire avoir? Putain, c'est n'importe quoi, bordel. C'est nul à chier, ce truc. Là, c'est inutile de vouloir espérer survivre à... à Mitra Point, malheureusement. Voilà, là, on va se le prendre, je suis d'accord. Est-ce qu'il va pouvoir agir, là? Ouais. Je préfère me soigner, hein, vous savez quoi. C'est con, sérieux, que limonade, ça nous soigne pas. Ouais, voilà, j'ai eu raison de me soigner. Mais putain, mais c'est incroyable. Pourquoi ça nous paralyse sans arrêt, ce truc? C'est pas du 100%, on va te faire foutre. Oh, ok, d'accord. Mais... Ok, d'accord. Total soin. Mais là, s'il fait Mitra Point, on est mort. Et voilà, on est foutu. Bon. Comment vais-je pouvoir m'en sortir? Pourtant, je sais qu'on peut y arriver. Hein. Au début, on... là, les derniers essais sont pourris. Les derniers essais, on a vraiment pas de chance. Voilà, bien joué. Les derniers essais, c'est immonde, quoi. C'est horrible. Je me soigne, hein, Jackie. C'est nul à chier. Putain. Voilà. C'est naze. On n'a pas de chance, on n'y arrive pas. On n'arrête pas d'être endormi, paralysé, c'est débile, quoi. Alors qu'au début, on a failli y arriver. Ouais. Ouais, bien joué, on a raté l'attaque, pauvre con. Comment ça m'énervait à faire ça, là. Putain. Il nous achève, hein, avec plaquage. Il voit qu'on a dans la vingtaine de points de vie, donc il prend pas la peine de faire Mitra Point. C'est pour ça qu'il faut se soigner, malheureusement. Oh bien, un coup critique. C'est pas vraiment le bon moment, Jackie. Heureusement qu'on utilise bâillement. Hein. Allez, là, full DPS. Hein. Là, on est bon, là, vous voyez. Bien joué. Oh, énorme. Il a la trouille. Évidemment que c'est pas fini, Jackie. Bâillement. Là, faut en profiter, hein. Là, voyez, on est nickel. On utilise bâillement sur son tour de soin. Voilà, pour qu'il fasse pas Mitra Point. Non, mais putain, pas plaquage, bordel. Oh. Et là, on n'est pas paralysé, vous voyez, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Donc là, je spam ouragan, hein, et pas chier. Ouais, mais là... Là, par contre, on est mal barré. Prends ça. Encore? Putain, mais c'est pas possible, il l'a déjà fait, là. Bien joué, coup critique. Il l'avait déjà fait, non, potion? Je sais plus. Là, attention, hein. Il a
la trouille, tu m'étonnes. Je suis obligé de me soigner parce que s'il fait... S'il fait plaquage, on est foutu, hein, malheureusement. Mais putain! Ouais, bien joué. Allez, on continue. On attaque, on continue. C'est bon, on va y arriver, je pense. Hein. Yes! Eh ben, non, c'était pas évident. Hein. Fallait vraiment réagir en fonction de ce qu'il fait, vous voyez. C'était pas mal comme combat. Ouf! Mais ça dépendait un petit peu de la chance aussi, hein, comme d'habitude. Comme si rate hypnose, c'est ce qui s'est passé. Si on n'est pas paralysé par plaquage, etc., vous voyez. Oula, numéro 1! Voilà. Je me suis bien amusé, on se reverra plus tard. Tut! Vous voyez, c'est au cas où on oublierait de lui parler. Hein. Ça, c'était pas comme ça dans Or et Argent. Allez, je coupe. De toute façon, ça fait une heure. Je modifie Pocket Gen. Enfin, je dédouble Hyporoi et je le transforme en Roucool, peut-être. Ouais, en Hoot-Hoot, parce qu'on est dans Or et Argent, j'en sais rien. Et un Pokémon Vol, il nous faut. Et on revient à Hollyville et on affronte Jasmine, etc. Enfin, on lui donne la Poké Secret d'abord. Allez, à de suite. Enfin, non, à plus pour la prochaine partie, vu que ça fait une heure.